Partie 1. Il s'appelait Julien. Je peux dire son nom. C'est le moins que je puisse faire. Le dimanche 27 novembre 2005, il s'est enfermé dans sa chambre et il s'est pendu avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre. Pendu jusqu'à ce que sa mort s'ensuive. Et plus tard, bien plus tard, un soir où j'étais seul chez moi et dans un drôle d'état, un état vraiment bizarre. J'ai essayé de comprendre comment il s'était pendu avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre. Comment avait-il fait? Techniquement parlant, je voulais savoir et me rendre compte par moi-même. Je ne voulais plus me poser la moindre question à ce sujet. Je ne voulais pas que mon imagination réécrive l'histoire en toute ignorance de cause, ni qu'elle transforme le suicide de Julien en une fiction, occultant par définition ce qui dépasse l'imagination. Et ce soir-là, où j'étais seul chez moi et dans un drôle d'état, un état vraiment bizarre, le genre d'état où on se dit qu'il vaut mieux tenter quelque chose plutôt que rien, et tant pis si cela rate, au moins aura-t-on essayé. Ce soir-là, dis-je, j'ai commencé à refaire dans ma chambre les gestes que Julien avait dû faire et que je supposais qu'il avait fait ce fameux dimanche 27 novembre 2005. Comme si le geste était capable de retourner lentement vers la lumière, ce que l'on a en tête, et que j'allais moi aussi me suicider et en finir une bonne fois pour toutes avec la vie, et aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai ôté la ceinture de mon pantalon. Et je l'ai enroulée autour de la poignée de la fenêtre de ma chambre avant de me la passer autour du cou avec l'intention de serrer autant que je le pourrais et pas davantage. Mais cela ne marchait pas, car une fois accroupi par terre et adossé à la fenêtre, ainsi que cette position m'était apparue la plus confortable pour se pendre soi-même, ou bien la ceinture glissait de la poignée et de la fenêtre et tout était à recommencer. Ou bien je n'arrivais pas à serrer la ceinture par derrière de manière convaincante. Et dans tous les cas, si je devais me contentionner pour un résultat approximatif et non garanti. Et on ne se pend pas soi-même aussi facilement à la poignée d'une fenêtre. Voici une chose que j'ai comprise ce soir-là, que je crois avoir comprise. Peut-être ne suis-je pas doué. C'est possible. Peut-être ne disposais-je pas des bons outils. Mais se pendre avec sa propre ceinture demande un minimum de technique, contrairement à d'autres manières de se suicider, ou s'il s'agit d'appuyer sur une gâchette ou d'avaler un tube de comprimé et advienne ensuite ce qui doit advenir. Dans ces cas-là, il ne faut pas avoir inventé l'eau chaude avant de passer à l'acte. Aucune difficulté technique à l'horizon, rien qui demande un temps de réflexion sophistiqué, rien qui, n'importe le bout par lequel on prend la chose, requiert des compétences particulières. Dans ces cas-là, la motivation apparaît non seulement nécessaire, mais suffisante. Même si je n'en sais rien et parle ici sans savoir, comme tant de gens parlent sans savoir partout, tout le temps. Et ce n'est pas une excuse, mais je retire ce que je viens de dire. Je retire tout. Merci d'en tenir compte. Pour en avoir le cœur net, il faudrait que je tente moi-même un certain nombre d'expériences. Sauf que celles-ci auraient, à un moment ou à un autre, de bonnes chances de trop bien réussir. Je pense en particulier à celles qui me verraient sauter d'un cinquième étage ou appuyer sur la gâchette d'un pistolet dont j'aurais collé le canon contre ma tempe. Et que signifierait une expérience dont on ne peut tirer ensuite aucune conclusion? Ce serait stupide. Sans compter que j'habite un deuxième étage, tandis qu'une arme à feu ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval, du moins en France où les chevaux ont déserté les villes depuis longtemps. Par ailleurs, quelle arme choisir? Un pistolet ou un revolver? Et où viser? La tempe ou bien le cœur? Sous le menton? Dans la bouche? Et en aspirant l'air du canon au moment de presser la gâchette afin de projeter le moins de saleté possible dans la pièce. Quel embarras soudain. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Mais c'est en se pendant avec une ceinture à la poignée d'une fenêtre que Julien s'est donné la mort. Et du point de vue qui était le mien ce soir-là, dans l'état bizarre dans lequel je me trouvais, un état vraiment bizarre, toute autre velléité d'attenter à sa vie ne me concernait pas. Je n'en avais rien à fiche ce soir-là. En attendant, la ceinture ne cessait de glisser de la poignée de la fenêtre, laquelle, de type levier pour ouvrant à la française, était en PVC blanc et arrondi à la base, et de ce fait, semblait particulièrement inappropriée à l'usage que je lui destinais, et même conçue exprès pour que nul ne puisse s'y pendre tranquillement. Et tandis que je m'affairais de la sorte, je me suis demandé si, par-delà toutes les raisons qui le poussaient à se suicider, Julien avait dû subir cette lamentable avanie de voir une poignée de fenêtres lui résister. Une poignée de fenêtres. Comme un ultime doigt d'honneur. Une incitation supplémentaire à quitter cette terre de malheur. La preuve que jusqu'au bout, les choses de la vie ne se seraient acharnées contre lui. Et que toujours son désir buterait sur l'impuissance de sa volonté. Et même à l'heure de sa mort.
même une poignée de PVC. Avait-il eu envie de fondre en larmes à cet instant, de rire aux éclats? Ou s'était-il senti comme un gamin avili et désemparé par un problème du niveau du certificat d'études? Le genre de problème où 18 robinets fuient, comme ça, sans raison, juste pour épater les mots et éprouver le monde, saper le moral d'un mot, mais lui donner un premier aperçu de la fameuse goutte d'eau qui fera un jour déborder son vase. Et il y a des situations qui n'existent que dans les livres, et elles ne sont pas forcément les plus judicieuses, pas les plus propices pour nous faciliter l'existence et éclairer notre lanterne. Et si je m'écoutais, je ferais bien une petite digression pour mettre le nez de la littérature dans son blabla, comme ça, en passant, pour le plaisir. Qui m'en empêcherait? Mais là n'était pas la question, ce fameux soir où j'étais dans un drôle d'état, et même dans une drôle de situation à tenter de me pendre sans y parvenir, et jamais je n'aurais cru écrire un jour une telle phrase. Il ne s'agissait pourtant pas d'une équation impossible à résoudre. Julien en était la preuve. Pas la preuve vivante, ça non, je ne peux pas dire, mais la preuve tout de même. La preuve morte. Et dès lors, encore plus indéniable et irréfutable. Non, me disais-je à ce moment-là, en sentant l'énervement me gagner. Il n'y a pas de raison pour que je ne parvienne moi aussi à réaliser une pendaison incomplète, puisque tel est le nom que l'on donne à ce genre de pendaison où les pieds touchent le sol au lieu de se balancer dans le vide et où, à la fin, on n'en est pas moins mort de chez mort. Il n'y avait pas de raison. Je n'étais pas plus abruti que Julien, quand bien même j'étais certainement moins désespéré que lui, très certainement, mais ce soir-là, je n'étais pas disposé à croire que le désespoir décuple les facultés intellectuelles, et je peux dire que la suite m'a plutôt donné raison. Car le temps que je prends pour raconter tout ça, au risque de plomber l'ambiance, équivaut, grosso modo, si je rameute mes souvenirs, au temps qu'il m'a fallu pour enrouler correctement la ceinture autour de la poignée de la fenêtre et autour de mon cou, de sorte que je puisse la serrer de façon concluante et un schéma en 4 ou 5 étapes décrivant pas à pas de mes gestes et le détail de la procédure à suivre serait peut-être ici préférable. Un joli petit schéma en 4 ou 5 vignettes, à l'image de ceux qui aident à monter un joli lit d'enfant en bois blanc, importé en pièces détachées, du joli pays de Suède, même si tout n'est pas toujours très clair dans ce genre de schéma qui, on ne sait trop comment, et en tous les cas moi je l'ignore, peuvent s'avérer incroyablement déroutants et abscons et propres à décourager les meilleures volontés. Propres à crisper les esprits les plus patients et les amener à voir de plus en plus rouges au fil des minutes. Et puis jaune et vert et violet et de nouveau rouge, mais rouge sang. De ce rouge propre à saper n'importe quel être humain, à la racine de son être et à la racine de son humanité. Jusqu'à bousiller en lui toute trace de confiance en soi en déchaînant dans ses veines des forces innommables dont le joli petit lit d'enfant fait bientôt les frais. Brutalement et désastreusement les frais. À grands coups de pieds et de poings et d'enculés de ta mère vociférer sans la moindre retenue. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus du supposé joli petit lit d'enfant qu'un gros tas de merde en bois blanc posé au beau milieu d'un dimanche après-midi. Et même la découverte que Dieu n'existe pas, ou que sa femme s'envoie en l'air avec son meilleur ami, ou n'importe quelle autre révélation ayant le don de mettre un homme au pied de son mur, n'a le pouvoir de mettre dans un état de furie aussi pur et immédiat que celui que provoque un débile petit schéma de montage, prétendant avec arrogance qu'il faut filer l'élément D5 dans les trous 3 et 4 de la planchette B8, alors qu'il n'existe aucun trou dans la planchette B8. Aucun trou. Ni 3, ni 4, ni 34, ni 43, rien. Aucun trou. Nulle part. Même en retournant la planchette B8 dans tous les sens, et en vérifiant 10 000 fois que l'on ne se trompe ni d'élément D5, ni de planchette B8, même en grattant le bois avec son ongle, et comment survivre à pareil complot? Comment continuer de croire et d'espérer? À quoi bon? C'est impossible, aucune philosophie ne résiste à de tels dimanches après-midi. La civilisation ne tient finalement qu'à un fil, même si on feint de l'ignorer le lundi matin et tous les autres jours de la semaine, et je voudrais que la malédiction s'abatte sur tous les salopards qui ne savent pas ce qu'il en coûte de jouer avec nos nerfs et de nous plonger la tête sous l'eau et de l'y maintenir jusqu'à nous mettre totalement en déroute, et heureusement que ces salopards ne signent jamais leur notice soi-disant explicative. Ils n'ont pas intérêt. J'ai depuis ma naissance tout un tas de planchettes B8 à leur faire bouffer par tous les trous, quand bien même un gosse peut très bien dormir sur un matelas posé par terre et qu'il ne fasse pas chier celui-là, et voilà le résultat. On s'en prend maintenant au gosse, alors qu'il n'y est pour rien, strictement pour rien, et Dieu sait ce que ce gosse fera plus tard de cette planchette B8, devenue indirectement la sienne un certain dimanche après-midi, et finalement tout dégénère, tout est lié, tout devient laid et sordide, les dominos du monde s'écroulent les uns après les autres à cause d'une minuscule erreur commise quelque part, sans que l'on sache par qui, et il n'est plus question pour moi de croire
qu'une saleté de crowbar vaut mieux qu'un long discours. Je n'y crois plus du tout. Assez de truismes et de foutaises. Assez. Du calme. Tout doux. Pourquoi m'énerver? Où en étais-je? Julien. C'est ça. Julien. Le dimanche 27 novembre 2005. Et puis ma chambre. Plus tard. Bien plus tard. Un soir où j'étais dans un drôle d'état. Un état on ne peut plus bizarre. Pas tout à fait l'état dans lequel je suis en ce moment précis, mais pas loin. Pas si loin. À force de me rappeler et de ressusciter par écrit. De plonger la tête dans mon sac pour en ramener ma ceinture et la poignée de ma fenêtre et l'état dans lequel j'étais ce soir-là justement. Bon, je ne dis pas que la technique de pendaison incomplète à laquelle je suis laborieusement parvenu ce soir-là fut la meilleure qui soit, mais elle est celle que j'ai trouvée. Et il appartient à chacun d'inventer le monde qui est le sien, même si on croirait une publicité pour une voiture. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, où j'étais seul chez moi et dans un état que je ne souhaite à personne, j'ai commencé à serrer autant que je le pouvais la ceinture autour de mon cou. D'abord, d'un coup sec, puis en continuant de tirer sur l'une de ses extrémités jusqu'à sentir le cuir mordre ma chair et ses bords presque entamer ma peau. Et je me rappelle encore la sensation devenue très vite impitoyable du cuir autour de mon cou. C'est une sensation qui ne s'est pas effacée avec le temps, pas totalement, au point qu'elle ressurgit parfois à l'improviste. Oui, il m'arrive d'avoir soudain l'impression que quelqu'un cherche à m'étrangler par derrière. Et j'ignore qui est cet enfoiré et pourquoi il s'en prend à moi. Je ne sais d'où cette volonté de me nuire, ni pourquoi elle survient à tel moment plutôt qu'à un autre, puisque la dernière fois, c'était en lisant dans l'autobus la nouvelle de Dorothy Johnson qui commence par ces mots de point ouvrez les guillemets. Dans les moments de tension, on pense à des choses idiotes. Mais la fois précédente, je faisais du repassage chez moi, et cela n'a pas de lien, que je sache, aucun rapport, même en me creusant la cervelle. Ce que je sais, en revanche, c'est que lorsque cette sensation fantôme me saisit à la gorge, je porte aussitôt la main à mon cou pour vérifier que rien de réel ne l'enserre, ni garrot, ni main d'étrangleur. Non, personne ne s'amuse à ce petit jeu sadique dans mon dos, et je me sens mieux soudain. Je me remets à respirer normalement, ce qui ne m'empêche pas de continuer à me masser le cou pendant un bon moment, et si je suis en public à me masser le cou avec le plus de discrétion possible afin de dissimuler ce qu'il y a de libidineux dans ma manière de me caresser le cou et, selon moi, dans toute manière de se caresser le cou en public comme un maniaque pendant de longues secondes, presque une masturbation, jusqu'à ce que mes sensations passent enfin à autre chose et que s'évanouisse cette fameuse affreuse chimère que j'ai créée de toutes pièces et se livrer à des expériences qui n'est jamais totalement sans risque. Jamais. Mais cela, je le savais, avant de reconstituer le plus fidèlement possible dans ma chambre une pendaison incomplète. Ce que j'ignorais, c'est la rapidité avec laquelle j'ai commencé à partir en sucette. Car il n'a fallu qu'une poignée de secondes, dans mon cas, 30 secondes, peut-être 20. Disons 22 secondes, et n'en parlons plus. Disons à peu près la durée de mes phrases dans ces eaux-là, comme par hasard. Comme le Gréco étirait à l'extrême ses corps et ses figures, cette sensation-là, vécue à l'instant. Même si je n'ai pas chronométré sur le moment, et rétrospectivement la notion du temps, de ces brefs instants, me fait aujourd'hui défaut. Tant pis. Ce dont je suis sûr, c'est l'espèce d'étourdissement qui d'un coup s'est emparé de moi, comme une évanescence brutale de mon être. Une faiblesse généralisée, et cependant fébrile, tout à fait effervescente. C'était à la fois diffus, opaque et électrique, et puis rouge et noir et jaune, il faut donner des couleurs. Un bourdonnement dans les oreilles aussi, mais j'en suis pas sûr. C'est flou dans ma tête. D'autant plus flou que tout s'est passé très vite et que je ne m'attendais pas à m'évanouir. Je ne m'y attendais pas du tout, je n'étais aucunement préparé à ressentir les effets de ce que les médecins appellent une anoxie cérébrale. Comme j'ai appris plus tard que les médecins appellent cette sensation irrésistible de perdre soudain conscience, de partir sans savoir où et sans vouloir la ramener. Voici une expression que j'ai comprise ce soir-là et que je crois avoir comprise au-delà du vocabulaire qui donne aux médecins le sentiment de savoir mieux que leurs patients de quoi ils souffrent. Et un philosophe allemand parlerait peut-être ici de jargon de l'authenticité. Et ils sont forts, ces philosophes allemands. Je peux même préciser que la surprise fut, en ce qui me concerne, d'autant plus grande que j'appréhendais la brutalité de la strangulation et la panique qu'allait immanquablement provoquer chez moi l'asphyxie.
Cette épouvante de ne plus pouvoir respirer et de suffoquer. Oui. Je m'imaginais déjà battre furieusement des mains et des pieds et me tortiller dans tous les sens, faire des bonds terribles et me mettre à ruer atrocement comme un cheval sauvage pris au lasso pour tenter d'échapper à l'étreinte de la ceinture, et cela d'autant mieux que je suis terrifié à l'idée d'étouffer, totalement angoissé. Et si ce n'est depuis toujours, c'est d'aussi loin que je me le rappelle. D'aussi loin qu'un maître nageur au slip de bain proéminent m'a plongé de force la tête sous l'eau dans le petit bain de la piscine municipale de Saint-Germain-en-Laye lorsque j'avais 6 ou 7 ans. D'aussi loin que je connais ma mère. Mais non, je me trompais complètement. Moi qui avais dans l'idée de comprendre comment Julien avait pu se massacrer lui-même sans que son instinct de survie émette au dernier moment une protestation si véhémente et forcenée que mettre son projet à exécution n'y aurait pas résisté, à l'instar de Martin Eden qui dut s'y reprendre à deux fois pour se noyer, et telle était la véritable question, la question de fond, l'énigme entre toutes que je me posais au sujet du suicide de Julien. J'en ai été pour mes frais. Ce n'est rien de le dire. Aujourd'hui, je ris de ma naïveté. J'ai mérité que l'on se moque de moi, ô combien. Car moi qui redoutais d'étouffer, et une fois ma ceinture bien serrée autour de mon cou, qui me préparait à cette épreuve en serrant les dents et, comble d'ironie, en retenant d'avance ma respiration afin de retarder le plus possible le moment où ma poitrine allait exploser et prendre feu, j'ai réalisé ce soir-là que mon cerveau commençait à manquer d'oxygène bien avant que mes poumons ne commencent à manquer d'air. Et peut-être devrais-je utiliser ici l'imparfait du subjonctif. Je ne sais pas. Je crois que oui, sauf que j'ai perdu le sens grammatical de l'existence depuis le suicide de Julien. Tout est si confus dans ma tête à présent, surtout avec une ceinture serrant mon cou jusqu'à m'en faire voir maintenant des papillotes, et j'aimerais y voir. En même temps, respecter la concordance des temps serait, à cet instant, tellement tonitruant pour les yeux et les oreilles qu'il n'en est pas question. Quoi qu'il en soit, jamais je n'avais envisagé les pendaisons incomplètes sous l'angle d'une interruption de la circulation sanguine. Dans mon esprit, les poumons allaient manquer d'air et mes pieds s'agitaient frénétiquement pendant un moment, qui promettait d'être assez éprouvant, avant de cesser peu à peu toute protestation jusqu'à l'immobilisation complète, comme je l'avais fait tant de fois, comme je l'avais tant de fois observé dans les westerns. Et maintenant que j'y songe, je trouve accablant de m'être fait enrhumer par des images tirées de films, et qui plus est, de films dans lesquels on sait tout de suite qui sont les méchants et qui sont les gentils. C'est incroyable comment on se fait des idées fausses, et partant, ce n'est pas rien de parvenir à se désabuser soi-même. Et ce soir-là, je peux dire que je ne me suis pas seulement pendu avec ma ceinture à la poignée de ma fenêtre. J'ai carrément traversé le mot pendaison, comme dirait un autre philosophe allemand. Et ce n'est pas tous les jours qu'on peut sortir coup sur coup deux philosophes allemands de sa manche, même si l'un d'eux se prénomme Martin et je ne parle pas en l'air. Je sais de quoi je parle. Je sais, pour l'avoir éprouvé ce soir-là physiquement, que lorsqu'on se pend avec sa ceinture à la poignée d'une fenêtre, la mort ne survient pas d'une brutale obstruction de l'appareil respiratoire, mais d'une sournoise interruption de la circulation sanguine pratiquée au niveau des vaisseaux et des veines du cou, dont le cerveau fait en quelques secondes les frais, ainsi que j'en ai eu plus tard l'explication détaillée en approfondissant mes recherches. Et sur l'instant, cette découverte m'a enchanté. Quel soulagement! Quand bien même moi seul ignorais la vérité physiologique des pendaisons incomplètes, cette découverte signifie que Julien n'était pas mort dans d'abominables soubresauts. Il n'était pas mort comme un cheval sauvage martyrisé par un lasso. Il n'était pas mort en se brisant la nuque. Ce n'était pas cela qui s'était passé le dimanche 27 novembre 2005. Tout s'était déroulé relativement en douceur et c'était tout ce que je voulais savoir. Tout ce qui pouvait m'ôter un poids de la poitrine et me servir éventuellement à l'occasion. Et maintenant que venait de m'apparaître en pleine lumière ce qu'il y avait pour moi de techniquement obscur dans le suicide de Julien, il était urgent que je cesse ma petite expérience de pendaison incomplète et que je la cesse immédiatement, au plus vite. Maintenant. Car tout mon être était là, tout de suite, à cet instant, en train de m'abandonner. Je le sentais s'évaporer par mes yeux et s'étendre hors de moi en une déliquescence qui se dissipait dans toutes les directions, sans que je puisse rien faire pour l'en empêcher. Et cette pure évanescence était une sensation envoûtante, une sensation puissante, une sensation voluptueuse, et en tous les cas, une sensation qui, j'en eus l'intuition en un éclair, serait la dernière de toute mon existence si je le voulais. Car cela ne tenait plus qu'à moi. Il me suffisait de fermer les yeux, de me laisser aller, de relâcher tous mes muscles et sans le moindre heurt, sans même y consentir, dans une indolence parfaite,
comme tombe la feuille d'un arbre en décrivant une lente et silencieuse arabesque, je plongeais dans une brume sans fin. Et pour utiliser une apocope argotique, excusez du peu, je tomberais dans les vapes pour n'en plus émerger jamais. Et je peux dire que le sens profond de tomber dans les vapes m'est clairement apparu ce soir-là. Alors que tomber dans les pommes, pardon, je ne vois pas le rapport, des pommes n'ont rien à faire ici, soit dit en passant. Aujourd'hui encore, j'ignore combien de temps je me suis tenu sur le seuil de l'incertain et de l'inéluctable. Vraisemblablement, cela n'a duré que 4 ou 5 secondes, peut-être 2 ou 3, mais dans mon souvenir, cela semblait une éternité, pendant laquelle je suis resté au bord d'une tentation rayonnante dont je sais avoir frôlé la main tendue et entrevu le bleu sourire, pendant 1, 2 ou 3 secondes qui durèrent une éternité. Mais je sus presque aussitôt, de manière quasi simultanée, que je n'obéirai pas ni ne céderai à la tentation. Je n'allais pas saisir la main tendue, ni embrasser le bleu sourire. Pas ce soir-là. Pas de cette façon. Pas sur un malentendu. J'étais allé aussi loin qu'il m'était possible d'aller et parvenu à ce point de non-retour. Il n'était pas question que j'accompagne Julien plus avant sur le chemin qui avait été le sien le dimanche 27 novembre 2005. Je ne le pouvais pas et je ne le voulais pas. Même dans l'état plus que bizarre dans lequel je me trouvais ce soir-là. En aucune manière, je n'allais chercher midi à 14h sur un cadran qui n'était pas le mien. Et cela signifiait que il me fallait laisser Julien s'en aller tout seul dans la nuit qui avait été la sienne. Il me fallait le laisser chevaucher l'enfer qui avait été le sien. Le suivre dans la mort n'était pas dans mes intentions. Et ce soir-là, pendant 1 ou 4 secondes décisives comme un cri, j'en eus la confirmation, au-delà de toute confirmation. La confirmation, somme toute joyeuse et revigorante, et voici une chose que j'ai apprise sur moi ce soir-là et que je me félicite d'avoir apprise. Sachant que je n'ambitionnais nullement au départ d'élucider quoi que ce soit me concernant à propos du suicide. On pourrait croire le contraire, mais non. Loin de moi cette idée. Il ne s'agissait pas de ma petite personne ce soir-là, mais de Julien et du 27 novembre 2005. En même temps, je ne suis pas plus qu'un autre en mesure d'élucider les véritables raisons qui me poussent à faire tout cela. Les raisons profondes, et non pas celles que je me raconte à moi-même ou aux autres. Comme tout un chacun, pour autant que je sache, je patauge à chaque instant dans mes propres lacunes, et la plupart de mes motivations me demeurent insaisissables, et peut-être me faut-il envisager la possibilité que je cherchais ce soir-là à caresser l'idée du suicide dans le sens de mon poil, et à le regarder dans le blanc de ses yeux, afin de revenir à cette épreuve trempée de certitude. Ou bien la tête molle et pantelante. Peut-être dois-je l'admettre. Ou bien la tête molle et pantelante. Je viens d'écrire cette phrase. C'est curieux. J'ai l'impression. Cela me rappelle. C'est comme si les mots voulaient me dire quelque chose. Qu'ils cherchaient à me faire passer un message. C'est peut-être important. Ou pas du tout. Je ne sais pas. Chut. Que personne ne bouge. Molle et pantelante. Ah oui, cela me revient. J'avais 10 ans. C'était même le jour anniversaire de mes 10 ans. Cela se passait dans le jardin de mon papy. Pour me féliciter d'avoir 10 ans, 10 ans, comme s'il s'agissait d'un exploit que j'avais accompli, mon papy, ainsi fallait-il l'appeler, et ainsi vais-je l'appeler ici, malgré le ridicule, m'avait autorisé à tirer avec sa carabine 22 long rifle. Et après un premier tir qui m'avait surpris, le gamin que j'étais s'était appliqué. Il s'était concentré sur la bouteille en plastique posée 10 mètres plus loin sur une souche d'arbre. Il avait visé et pam ! Il y avait eu un drôle de bruit dans les feuillages qui buissonnaient derrière la souche. Le gamin que j'étais n'avait pas compris tout de suite. La bouteille en plastique était toujours là. Elle n'avait pas bougé. J'avais regardé papy. Il fronçait les sourcils. C'était brusquement retourné, soudain affolé. Mais le chien était là, juste derrière, à ses pieds, bien tranquille. Ouf, c'était quoi alors, ce bruit, dans le fourré? Qu'avais-je encore fait, alors que je visais la bouteille en plastique? Je jure que je visais la bouteille en plastique. Sans rien dire, les lèvres pincées, mon papy m'avait arraché la carabine des mains, me faisant signe de rester où j'étais. Il s'était avancé vers le buisson. Je l'avais vu s'accroupir, écarter les feuilles, fouiller un instant. « Viens voir ton œuvre, » avait-il crié d'une voix dure. « Ah, bravo, tu peux être fier de toi. » Dans sa main, il tenait un oiseau, dont la tête molle et pantelante pendait affreusement. Molle et pantelante, oui. Encore aujourd'hui, j'ai la vision de cet oiseau, dont le corps toujours chaud et doux gisait dans la main de mon papy, à la tête affreusement molle et pantelante.
Je me rappelle que je cherchais des yeux la blessure, mais sans la distinguer clairement, et cela ajouta au sentiment que j'hallucinais, à l'espèce d'effroi que je ressentis alors. J'ai encore dans l'oreille la détonation. C'est un coup de feu qui ne s'est pas effacé avec le temps. Pas totalement effacé. Comme on ne s'est pas entièrement dissipé mon malaise. Comme ne s'est pas entièrement dissipé mon malaise d'avoir tué ce jour-là un oiseau et, plus qu'un oiseau, d'avoir supprimé une vie sur Terre. Une vie qui n'était pas celle d'une fourmi, d'un quelconque insecte, un moustique par exemple ou une saloperie d'araignée, que je pouvais sans problème écraser, comme s'ils n'étaient pas des êtres vivants ou qu'ils étaient indignes de l'être. Mais celle-là, autrement plus tangible, d'une petite mésange à bec noir. Comme mon papy me révéla qu'il s'agissait d'une mésange à bec noir, tandis qu'il lisait doucement les plumes du petit cadavre. Oh, ce mot de cadavre. Ah, cette vision. De la petite tête affreusement molle et pantelante. Vision de la mort. La première du genre en ce qui me concernait, et jamais oubliée depuis lors, la preuve. Gravée en moi, et très certainement fondatrice, comme disent les psychanalystes qui, sauf erreur, parle dans ces cas-là de scène primitive, et cette scène primitive expliquerait par la suite tout un tas de trucs, tout un tas de névroses, comme disent les psychanalystes, mais rien d'inquiétant. Faut pas exagérer. Car j'ai bien conscience qu'il existe des visions de la mort autrement plus traumatisantes et spectaculaires que celles d'une petite mésange à bec noir, la tête affreusement molle et pantelante. Bon Dieu, il ne s'agissait que d'un oiseau. Il s'agissait d'un piaf. Oui, mais c'est moi qui l'avais tué. Je venais, oui, de donner la mort. J'avais donc ce pouvoir. C'était aussi facile, aussi rapide et inopiné. Cette découverte me terrifia. Ce pouvoir, le gamin que j'étais, n'était pas sûr d'en vouloir, même si obscurément une sensation très étrange, une espèce d'excitation, un ébranlement tout au fond. Cette vision est ma première vision de la mort. C'est à cette occasion que j'ai vu, de mes yeux vus, pour la toute première fois, cette chose qu'on appelle la mort, et où cette chose m'a regardé fixement, où cette chose m'a parlé, et où elle a prononcé distinctement mon nom. Et si la mort a un visage, elle a d'abord pour moi celui d'une adorable petite mésange, dont la tête pendouille affreusement molle, comme saisie dans un doux sommeil, un ineffable abandon. Aucun autre visage de la mort n'est pour moi plus expressif que ce visage-ci de la mort. Aucune autre image de la mort n'est pour moi aussi éloquente. Et là, tout de suite, tandis que ma ceinture m'étrangle et qu'un voile noir et rouge obscurcit de plus en plus mon esprit, je réalise que du suicide de Julien, je ne me suis jamais fait d'autre représentation que celle d'un type pendu par le cou, avec sa tête affreusement molle et pantelante. Je ferme les yeux et je vois la tête de Julien, pendouillée, affreusement molle, sur son épaule. Et quelque chose se serre alors en moi. Quelque chose m'étreint et gémit à cette vision, et je comprends alors que Julien est mort. Je réalise ce que cela signifie. Ce n'est plus abstrait, ce ne sont plus des mots. Je crois que je l'ai tué. Comme si de la mort, j'avais depuis l'âge de 10 ans une idée fixe, et j'ignore si c'est une bonne chose ou si cela m'éloigne de la vérité, mais ce fameux soir où j'étais dans un état bizarre, un état au bord de l'évanouissement, peut-être cette idée fixe me prenait-elle justement la tête. Peut-être voulait-elle que je me retrouve avec la tête affreusement molle et pantelante pour que je voie ce que cela fait, qu'à mon tour j'entre dans l'image et en fasse partie, fût-ce pendant une fraction de seconde. Peut-être ce soir-là, oui, n'ai-je fait que jouer une comédie qui était la mienne quand je croyais rejouer la tragédie qui avait été celle de Julien, et je verse cette pièce au dossier à tout hasard, même si je ne serais ni le premier ni le dernier à abuser d'un mort, en plus d'abuser depuis un moment des italiques. Sachant qu'il faut bien que nous nous fassions une représentation personnelle des choses pour qu'elles ne soient pas juste une rumeur effleurant notre esprit et puis s'en allant. Tout ça à cause d'une petite mésange à bec noir qui, par ma faute, ne zinzinulerait plus jamais de sa vie. Car les mésanges ne font pas cuicui. Elles ne gazouillent ni ne pépillent, piaulent et chuchotent. Non, elles zinzinulent. Très peu de gens s'en doutent, mais la mésange zinzinule. C'est comme ça, c'est une chose d'un intérêt difficilement discutable que j'ai apprise le jour anniversaire de mes 10 ans et que je me rappelle très bien avoir apprise ce jour-là. Car après avoir déposé le petit cadavre, dans une petite boîte en carton qui, faute d'en trouver une autre qui convienne, ce qui n'exclut pas une certaine perversité, avait servi à emballer je ne sais plus lequel de mes cadeaux d'anniversaire, et pendant un bref instant, l'illusion fut si parfaite que par la suite, j'ai toujours eu un léger problème avec les cadeaux d'anniversaire.
Mon papy, dis-je, une fois ma petite mésange solennellement enterrée au fond du jardin, était allé chercher sa grosse encyclopédie Larousse, achetée par correspondance, afin d'y lire à voix haute tout ce qu'il était possible de lire sur les mésanges, qu'elles soient à bec noir ou pas. Et à cet instant, il avait tout d'un pasteur prononçant un sermon. On aurait dit qu'il lisait le livre des morts, ou qu'il voulait que la laïcité batte la religion sur son terrain de prédilection. À tout le moins, il s'agissait de me faire prendre conscience qu'ôter une vie sur terre, c'était ôter tout ce qui était écrit. C'était ôter tout ce qu'il était possible de dire sur ce qui avait été et qui n'était plus. Et voilà une bonne raison de dire tout ce que je sais du suicide de Julien. L'une des meilleures qui soit. Même si le stupide gamin de 10 ans que j'étais ne retint à l'époque que 2 choses de cette oraison funèbre improvisée à son intention. À savoir que les mésanges volent à la vitesse de 20 km/h, ce qui m'avait paru assez misérable, et elles zinzinulent, du verbe zinzinuler, je zinzinule, tu zinzinules, nous zinzinulons, il ou elle zinzinule. Et le stupide gamin que j'étais de se retenir nerveusement de rire tout le temps que mon papy psalmodiait son Larousse, de se mordre la langue pour contenir l'hilarité qui, invincible, tonitruante, immense exutoire, s'emparait de lui et menaçait d'exploser dans toutes les directions parce que ce verbe zinzinulait. Enfin bref. Une action en entraînant une autre, sans que l'on sache très bien comment. Je me rappelle avoir un jour rencontré une jeune femme dans un bar. Nous partagions la même soucoupe de chips au comptoir et la conversation s'était naturellement engagée tandis que, tamisant nos imperfections, une douce lumière nous enveloppait, comme dans une cape soyeuse. Et je dois dire que sa manière de passer une main langoureuse dans ses cheveux m'apparaissait de très bon augure, d'autant que cette jeune femme ressemblait à la brune qui, à la fin des années 70, jouait dans le feuilleton Drôle de dame, celle qui avait les cheveux longs et bouclés, Kelly quelque chose. Tout à fait mon goût, vraiment éligible pour l'adolescent que j'étais à l'époque. Eh bien, rencontrant cette drôle de dame, je me rappelle avoir tenté de lui expliquer que le film Judex était certainement l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Elle ne me croyait pas. Elle avait vu ce film? Quoi? Elle ne savait pas qui était Georges Franju? Elle n'était pas née en 1963? Elle n'avait jamais vu la scène du bal masqué lorsque le terrible Judex, vêtu d'une queue de pie et le visage dissimulé sous une impressionnante tête d'aigle royal, s'avance solennellement parmi les invités en exhibant de la paume de sa main gantée de blanc une petite mésange dont la tête pendouille affreusement molle et pantelante et tant pis s'il s'agit à l'écran d'une colombe car c'est du pareil au même et rien que d'y songer j'en ai des frissons. Cette scène était d'une beauté absolue. Elle pouvait me croire. Je m'y connaissais en cinéma. J'exprimais un jugement esthétique parfaitement objectif. À part ça, elle venait souvent dans ce bar? Elle voulait encore une chips? Savait-elle qu'elle était craquante? J'aimais beaucoup la façon qu'elle avait de passer une main langoureuse dans ses cheveux. Pouvais-je faire la même chose avec ma main? Ok, je la taquinais. À propos de chips, il ne lui était jamais rien arrivé dans la vie qu'il avait laissée sur le carreau, et son existence avait alors continué toute seule, elle la voyant s'éloigner et disparaître à l'horizon comme un train dont elle serait tombée en marche. Elle voulait que je répète. Elle ne comprenait rien à ce que je racontais. Aïe. Essayons autre chose, fis-je en effleurant mentalement ses lèvres. Se rappelait-elle la date du 4 avril 1914 74. Que faisait-elle ce jour-là? Elle pouvait le dire? Aux alentours de 22h, 22h30? C'était un mardi. Elle avait un alibi? Elle ne voyait pas de quoi je parlais? Oui. C'était bien embêtant, c'était très embêtant. Enfin quoi, c'était le jour où Georges Pompidou était mort. Cela ne s'oubliait pas. Elle voyait qui était Georges Pompidou? Il était à l'époque le président de la République française. Il dirigeait le pays, tandis que quoi? Elle n'était toujours pas née à l'époque? Mais quel âge avait-elle? Elle n'était jamais née ou quoi? En tout cas, ce n'était pas une excuse. Elle se targuait là d'un bien faible avantage. Elle n'allait pas non plus en faire toute une histoire. Et si elle voulait bien cesser de parler d'elle et me laisser en placer une, je me rappelais très bien la mort de Pompidou. J'avais 13 ans à l'époque. Toute la famille regardait à ce moment-là le film des dossiers de l'écran. Oui, les dossiers de l'écran. Lorsque, tout à coup, un bandeau s'était mis à défiler en bas de l'écran pour annoncer la mort du président de la République. Vlan. La mort du président de la République française. Elle voyait le topo? Elle voulait une chips? Encore aujourd'hui, je me souvenais de ce bandeau, je me le rappelais très bien.
Dis-je d'un ton grave, en fixant tout à coup un point très éloigné par-dessus l'épaule de Kelly pour mieux signifier combien je plongeais à cet instant très profondément en moi-même. Pardon, je pensais à ce bandeau. C'était bizarre, continuai-je d'une voix rêveuse et pénétrée. Il défilait en bas de l'écran, alors que le film continuait comme si de rien n'était. Elle pigeait les italiques? Elle avait aussi envie de me lécher la bouche et d'y fourrer sa langue? Aujourd'hui, on interrompait les programmes si le président mourait, mais à l'époque, le bandeau défila ainsi jusqu'à la fin du film, et je me rappelais encore la consternation qu'il provoqua, qu'elle et moi, soudain. Chacun se demandait ce qui allait maintenant se passer, qui serait le prochain président. Tout le monde parlait en même temps, plus personne n'en avait rien à fiche du film qui, une seconde auparavant, retenait toute notre attention, et si elle voulait le savoir, il s'agissait de L'homme de Kiev, de John Frankenheimer. L'histoire d'un juif accusé d'un crime qu'il n'a pas commis dans la Russie tsariste. Je le savais parce que j'avais fait des recherches. Il avait fallu que je fasse des recherches, car je n'avais gardé aucun souvenir du film qui passait ce soir-là à la télévision lorsque Vlan, le bandeau annonçant la mort de Pompidou, s'était mis à défiler en bas de l'écran. Et l'homme de Kiev, il pouvait maintenant aller se rhabiller. Il pouvait bien servir de bouc émissaire dans la Russie tsariste. Son sort n'intéressait plus personne, comme un aveu de faiblesse de la fiction devant. Quoi? Comprenait-elle ce que je disais? Je parlais trop vite. Qu'elle reprenne donc une chips. Ça me plaisait de la voir grignoter des chips, plus qu'elle ne l'imaginait. Et elle, se souvenait-elle de la première fois où on lui avait annoncé la mort de quelqu'un? Comment c'était? Elle avait quel âge? On y avait mis les formes? On lui avait mis un bandeau sur les yeux? Ok. Je ne voulais pas raviver de douloureux souvenirs. Moi, cela avait été Georges Pompidou. La première personne dont on m'annonça le décès fut le président de la République française. C'était classe, non? Ça lui embouchait un coin, n'est-ce pas? Comprenait-elle que la première fois où j'avais appris le décès de quelqu'un, c'était en lisant un bandeau qui défilait silencieusement en bas de l'écran, tandis que le film continuait? Se rendait-elle compte de l'effet sur un gamin de 13 ans? Des complications psychiques pour la suite si la mort était une brutale effraction révélant le cours fictif des choses, si elle était un sous-titrage défilant en bas de l'écran. Qu'en pensait-elle? La mort a de drôles de façons de se manifester, dis-je comme on dit. On va chez vous ou on va chez moi? Chacun devrait tenter de se rappeler la première fois où il a eu connaissance de la mort, dis-je en hochant la tête de haut en bas, comme pour l'inciter mimétiquement à dire « Oui, on va chez moi ». Cela peut avoir son importance. C'est peut-être très important. D'ailleurs, je regrettais terriblement de ne pas savoir à quel moment du film le bandeau s'était mis à défiler. Quelles scènes, quelles images s'étaient soudain trouvées associées à la mort du président et qui, dans ma mémoire, le demeuraient probablement à mon insu, même si ce que je voyais n'avait rien à voir avec ce que je lisais, et précisément à cause de ce décalage. Comme si la photo d'une petite mésange à bec noir volant gracieusement dans un ciel d'été était légendée. La fin des haricots. Et qu'il s'agissait de la bonne légende. Elle pigeait le truc. Elle croyait aux coïncidences, surtout si elle n'avait pas l'air de coïncider et... Quoi? Quoi? Que disait-elle? Elle me trouvait bizarre. Je lui faisais un peu peur. Elle avait tout à coup envie de danser. Elle allait danser maintenant. Pas la peine que je lui offre un autre verre. Elle avait assez mangé de chips comme ça. Elle était venue dans ce bar pour s'amuser, pas pour se prendre la tête et s'empiffrer de chips. Et Kelly, machin chose, de me planter là, comme si je l'avais saoulé pendant des heures avec l'histoire d'un type qui se pend avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre et à la fin, il s'en sort comme une fleur et je m'en fiche. Un jour, je trouverai quelqu'un qui m'écoutera sans cesser de passer langoureusement la main dans ses cheveux et chacun de ses gestes sera un ralenti pour la vie. Le temps ne s'écoulera plus à la vitesse de 24 images par seconde, mais chaque seconde contiendra 72 images de rêve. Comment font les autres pour élucider ce qui leur arrive? Comment s'y prennent-ils à leur niveau individuel des choses pour surmonter l'angoisse, penser l'impensable? Avec quelles armes bricoler dans l'urgence? Quelle fiction inventer pour se maintenir à flot dans le monde quand le monde se dérobe sous leurs pieds? Si c'est à ce moment-là que certains se persuadent que les voies du Seigneur sont impénétrables ou qu'un complot se trame quelque part, que l'on trouve plus rassurant de confondre ce qui défie notre imagination avec ce qui défie la raison.
Pour ma part, je me rappelle que plusieurs nuits durant, mon malaise fut tel d'avoir zinzinulé une petite mésange que je crus avoir tué mes anges le jour anniversaire de mes 10 ans. Qu'avais-je fait? Qu'avais-je fait? Alors que je visais la bouteille en plastique, je le jure, comment un pataquès aussi horrible avait-il pu se produire? Comment Julien en vint-il à se suicider avec la ceinture de son pantalon à la poignée de la fenêtre de sa chambre? Plus jamais je ne voulais toucher une arme à feu. Tout se confond et s'entremêle en moi, tandis que mon cerveau commence à manquer funestement d'oxygène. Alors que je visais la bouteille en plastique, je le jure, sur la tête de ma mère, quand bien même il avait fallu que le gamin de 10 ans que j'étais tienne à un moment ou à un autre la petite mésange dans sa ligne de mire. C'était forcé. Ne l'avais-je pas vu dans le fourré? Vraiment? Pas même un tout petit peu? Et en étais-je bien sûr? Le jurais-je sur la tête de notre mère? En mettais-je ma main au feu? À vous. Me torturais-je le soir dans mon lit? Il s'agit de ta main, me mettais-je la pression en agitant de façon menaçante un bidon d'essence et une boîte d'allumettes au-dessus de ma main. Il s'agit de la tête de notre mère, articulai-je lentement dans le couloir, recroquevillé sous les couvertures. N'avais-je pas appris à l'école que l'erreur est humaine? Je savais même le dire en latin, et le gamin de 10 ans que j'étais devait-il en déduire que c'est en commettant des erreurs que l'on devient humain? M'embrouillais-je l'esprit. Un simple instant d'inattention et tout peut dégénérer. Des forces diaboliques en profitent aussitôt. Voici que tombent les masques. Nos véritables intentions se dévoilent et ton compte est bon, mon bonhomme, triomphai-je sourdement en moi-même, le soir dans mon lit. Pensais-tu pouvoir t'en tirer aussi facilement? Me narguai-je tout seul et, outre que ce fut là ma première expérience de dissociation de la personnalité, comme si, à vouloir résoudre un problème, nous devions en engendrer de pire, j'ai encore en mémoire l'espèce de soulagement que j'éprouvais à me passer moi-même les menottes, car cela me disculpait en partie. Qui arrête un criminel ne saurait a priori être le meurtrier, ou alors c'est à douter de tout. À cette joie du soulagement se mêla une sorte de fierté. Ne venais-je pas de résoudre à moi seul l'assassinat de la mésange à bec noir, comme mon papy avait tout de suite su trouver les mots doux et réconfortants pour intituler ce qui s'était passé dans son jardin, et en fait en faire tout un roman policier dont il était au demeurant un lecteur acharné et exclusif. Car mon papy dévorait les romans policiers. Car mon esprit s'évapore tout à fait à présent, il se dissipe dans les limbes de plus en plus brumeux et informes, un mot en entraînant toujours plus loin un autre, une seconde après l'autre, oui, je défaille, je délire. Le temps presse. Sauf que j'abuse quelque peu du langage, puisque là, tout de suite, je suis en train d'écrire et non de tomber dans les vapes. Je le précise des fois que on se ferait des idées et je ne veux pas savoir lesquelles. Je ne veux pas d'ennuis. En attendant, jamais je n'ai vu mon papy lire autre chose qu'un roman policier. Et pour autant que lire des romans policiers signifie quelque chose, pour autant que je cherche à gagner du temps avant de m'évanouir pour de bon et que les livres sont une tentative de réponse au chaos, comme disait l'autre, il me requiert cette. Mon papy trouvait manifestement son plaisir dans la recherche incessante, jamais satisfaite, toujours reconduite, de savoir qui était le criminel, qui le fauteur de troubles, qui le responsable du chaos ambiant, qui, bon Dieu, alors que sa femme, ma mamie, était un monstre, sa maman en sait quelque chose. Alors que cela change quoi de le découvrir? Pour ma part, mettre un nom et un visage sur le criminel ne m'a jamais paru élucider un crime, plutôt un moyen de se débarrasser du problème, en plus d'empêcher un criminel de sévir, ce qui n'est certes pas négligeable, et de se rassurer en constatant, une fois le livre refermé, qu'il ne s'agissait donc pas de soi. Ouf. Car enfin, il s'agirait de quelqu'un d'autre. Cela ne ferait aucune différence. N'est-il pas entendu dès le départ que tout le monde est suspect? Cela veut tout dire. Si au moins la personnalité du criminel ou son histoire personnelle éclairait le crime qu'il a commis. Peau de balle. Voilà qui paraît plutôt ajouter du mystère au mystère, tellement c'est le crime qui semble donner du relief à la personnalité et à l'histoire du criminel. Tellement c'est à la lumière de son crime que s'éclaire soudain le nom et le visage du criminel qui jusque-là ressemblait à vous et à moi. Sans compter que les criminels semblent les derniers à pouvoir dire quelque chose de pertinent sur le crime qu'ils ont commis. Ou bien ils fanfaronnent, ou bien ils se repentent, ou bien ils meurent en emportant leur secret dans la tombe.
Dans tous les cas, ils n'ont pas l'air d'en savoir plus long sur le crime qu'ils ont commis que, mettons, un moustique sur le virus du paludisme qu'ils transmettent. Depuis que j'ai compris que c'est le crime qui fait le criminel, je me fiche comme d'une guigne de savoir qui, mais bon Dieu, qui est le criminel. Cela ne m'intéresse pas du tout. Cela ne m'aide en rien. Et j'aimerais beaucoup que mon papy, paix à son âme, lise ces lignes, car après la mort de la petite mésange, il n'avait pas cru à la thèse de l'accident. Non, il avait immédiatement deviné le vice chez le gamin de 10 ans que j'étais. Il avait découvert le criminel en moi. Il avait démasqué le coupable, et par la suite, je me souviens que mon papy en fit longtemps ses choux gras, dès que l'occasion lui en était offerte. Au repas de famille, au téléphone, au café du village. Ah, vous savez quoi? Ce salopio de Grégoire, etc., etc. Et ceci explique peut-être cela, oui, ceci explique peut-être bien des choses. Salut Thomas, salut Yann. Mais suffit. J'étais parti pour raconter une histoire. Comment je me suis suicidé un soir pour de faux. Et je ne vais pas raconter, à n'en plus finir, tout à fait autre chose. Comment j'ai abattu pour de vrai une petite mésange le jour anniversaire de mes 10 ans. Pas question. Il faut savoir se faire respecter un minimum. Les mots n'ont qu'à bien se tenir. Il faut savoir retenir ses chevaux et reprendre ses esprits. Et que dis-je? Reprendre ses esprits? Mais oui. Bien sûr qu'il fallait que je reprenne mes esprits. Ne voyais-je pas ce qui se passait? Mais ouvre les yeux, bon Dieu, cesse de divaguer. Oh, tu es en train de perdre connaissance, putain. Tu es en train de te pendre pour de bon. Tu vas mourir. Eh oh! Quelle panique alors. Jamais je n'oublierai cette panique. Elle est gravée en moi pour la vie. J'ignore si l'expression énergie du désespoir est ici appropriée, mais c'est la seule qui me vient pour décrire l'espèce de fureur avec laquelle j'ai empoigner ma ceinture pour tenter de desserrer mon étreinte et dégager mon cou afin de rétablir ma circulation sanguine et la rétablir sur le champ, immédiatement, dans l'intention forcenée de propulser dans mon cerveau des milliards de globules rouges gorgés d'oxygène vital. Mais impossible d'y arriver, impossible d'y arriver, j'avais serré trop fort. J'avais beau secouer la tête dans tous les sens et tirer sur cette saloperie de ceinture et me cogner le crâne contre le chambranle de la fenêtre, rien à faire. Ma technique de pendaison incomplète était finalement très efficace et ma précipitation jouait contre moi. Et malgré mes efforts, ou à cause d'eux, j'ai vu le moment où je n'allais pas réussir à me dégager. Je n'y arrivais pas, je n'y arrivais pas, ce n'était pas possible. Au secours! Dans un brouillard atroce, atroce. Pendant un laps de temps que je ne veux pas chercher à mesurer, alors que tout mon être défaillait, et en même temps qu'il rassemblait ses forces comme jamais je ne l'avais vu à ce point rassembler ses forces, j'ai très clairement envisagé le fait que j'allais mourir et que je n'allais pas m'en sortir. Pas cette fois, pas ce soir-là. D'un coup, cette éventualité s'est imposée en lettres de feu dans mon esprit et je me suis vu mort. Mort tout entier, mort des pieds jusqu'à la tête, avec mon corps mou et pantelant et sans vie. Et c'était moi. Amoncelé par terre tel un paquet de linge sale, moi et personne d'autre. Mon être, le mien, pendu comme une chiffe par le cou à la poignée de la fenêtre de ma chambre, et pendu jusqu'à ce que ma mort s'ensuive sans le moindre espoir d'être sauvé, pas le moindre. Car personne ne savait à quoi j'avais décidé d'occuper mon temps ce soir-là, absolument personne, et difficile ici de blâmer quiconque, très difficile, tandis que je n'attendais aucune visite ce soir-là. Quelqu'un aurait eu la bonne idée de passer à l'improviste et de sonner à ma porte, je n'aurais de toute façon pas pu lui ouvrir, pendu par le cou comme je l'étais à la poignée de la fenêtre de ma chambre, étranglé par derrière jusqu'à ne plus pouvoir émettre que râles stupides et gémissements étouffés. Et quelle ironie si quelqu'un s'était trouvé tout près de pouvoir me délivrer. Quel raffinement dans la cruauté. Mieux valait finalement que personne ne se manifestait. Je devais me rendre à l'évidence, nul n'allait venir me sauver au dernier moment, au bon moment, in extremis pour le dire en latin. Il n'y aurait pas de happy end dans mon cas. Aucun miracle d'aucune sorte ne surviendrait dans les 10, 15 ou 20 minutes qu'il me restait à vivre, comme c'est, paraît-il, le temps qu'il faut aux fonctions vitales pour être irrémédiablement altéré par la privation d'oxygène et que survienne la mort et soit dite la messe. Non. Même en cherchant bien, il n'y avait aucune chance pour qu'un prodige quelconque me sorte du pétrin dans lequel je m'étais moi-même fourré. Et c'était tellement risible. Tellement quoi?
Il n'y avait pas de mots pour décrire ma situation. Putain, j'allais mourir comme un chien, là, maintenant, tout de suite, tout seul, molle et pantelant, au bout d'une laisse, le cou strangulé, la langue grosse comme un escargot et le visage tout bleu, absolument seul, pire qu'une loque, alors que j'avais tant de trucs encore à vivre sans savoir exactement lesquels, mais ce n'était pas une raison, alors que j'avais une histoire à raconter et que je devais raconter, qu'il fallait impérativement que je raconte si je ne voulais pas brûler en enfer, et Seigneur Dieu, on me retrouverait plus tard, con de chez con, pendu avec ma ceinture à la poignée de la fenêtre de ma chambre, le corps avachi et prostré dans sa merde, exactement dans la position et dans la puanteur dans laquelle on avait découvert Julien le 27 novembre 2005, ce qui avait été l'homme qui s'appelait Julien avant qu'il ne se massacre lui-même. Et sûrement, ce serait ma fille de 11 ans qui trouverait mon cadavre en rentrant de chez sa mère. Forcément, ce serait elle qui me découvrirait, la tête affreusement molle et pantelante. Elle seule avait la clé de l'appartement, et je ne veux même pas imaginer sa tête en découvrant le spectacle de son père pendu à la poignée de la fenêtre de sa chambre. Je ne veux pas l'imaginer. Sans compter que ma fille croirait, comme tout le monde, que j'avais voulu me pendre et en finir avec la vie, et avec elle en particulier, et quel ravage potentiel dans son existence. Sans compter que par la suite, que ne tenterait-on d'expliquer mon geste de mille et une façons, plus perspicaces les unes que les autres, et tellement tirées par les cheveux qu'elles en deviendraient chauves, sans une seule fois soupçonner l'intention véritable qui avait été la mienne ce soir-là. Et je le reconnais avec humilité aujourd'hui, débilement la mienne. Personne ne songerait à une reconstitution du suicide de Julien ayant trop bien réussi. Personne, pas même un romancier, oui, je mourrais méconnu et anonyme, comme chacun demeure toute sa vie méconnu et anonyme, oui, je mourrais pour rien. Même si on meurt toujours pour rien, de toute façon, on m'est avis. Et avant d'en finir avec cette phrase, encore une fois trop longue, je suis miraculeusement parvenu à me libérer du piège de ma ceinture, évidemment, puisque je suis là, en chair et en mots, pour en témoigner. Inutile de feindre ici un suspens qui n'a pas lieu d'être. Un suspense qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a plus lieu d'être. Car sur l'instant, ce ne fut pas gagné. Oh non. Il s'en est fallu d'un cheveu, d'un poil, d'un cil. Et rien que d'y songer, il me montre des entrailles. Il me monte des entrailles. Un drôle de petit rire nerveux, une hilarité intérieure d'autant plus malsaine que j'ignore comment je me suis sorti des griffes de ma ceinture. Je ne le sais pas du tout, et quand je ne dis pas du tout, je ne bluffe pas. Aujourd'hui encore, je n'ai pas la moindre idée de la manière dont j'ai réussi à échapper au pire. Tout ce que je peux dire, même si mes souvenirs sont on ne peut plus tourmentés sur ce point, c'est que tout s'est passé comme si j'avais soudain tiré le bon fil d'un sac de nœuds et que la pelote s'était d'un seul coup désemmêlée. Et je ne vais pas refaire l'expérience pour élucider ce miracle. Certainement pas. Il ne faut pas compter sur moi. Une fois suffit. Je ne peux pas toujours tout élucider. Pas tout le temps. C'est une frustration avec laquelle je dois apprendre à vivre. Je ne saurai jamais à quoi tint ma vie ce soir-là. Et au point où j'en suis, j'avoue que je préfère ne pas trop y songer. Il convient que je me ménage un peu. Ce serait une bonne chose. La sagesse fixe des bornes au savoir, disait l'autre. Nietzsche. Et voici le troisième philosophe allemand que je cite. Et c'est donc vrai ce qu'on raconte. On ne se refuse rien dès qu'on frôle la mort. On se met aussitôt à vivre sur un grand pied. Ce qui s'est passé ensuite? À vrai dire, je n'en suis plus très sûr. Je me revois allongé sur le sol, telle une grosse méduse échouée sur une plage, totalement flaccide, le cœur battant et les oreilles en feu, la gorge très sèche, le manque de salive, la difficulté à déglutir et la pomme d'Adam douloureuse. De cela aussi, je me rappelle. Et de ma respiration haletante, saccadée. De ma poitrine paniquée. Mon cœur comme une charge de cavalerie. Et dans la chambre d'un silence immobile. Compact. Glacé. Vibrant dans les basses. L'essence du silence. Le bruit de fond du cosmos. Avec de lourdes ailes noires. Qui me regardent et me toisent. Et je sens ce regard peser sur moi. Je le sens peser des tonnes et je ne sais pas trop ce que cela signifie car jamais le silence ne m'avait jusqu'ici regardé de haut et encore moins toisé. J'ignorais que le silence avait des ailes. Et voici encore une chose que j'ai apprise ce soir-là, une chose qu'il est sans doute préférable que je n'ébruite pas si je ne veux pas aggraver mon cas, tandis que,
Accroché au mur, me regardait un cadre de traviole, avec une ironie renouvelée. Peut-être me suis-je évanoui, finalement, à retardement. Pas longtemps, quelques secondes, à moins que ce ne soit plusieurs minutes. Je ne sais pas, je n'ai aucun moyen de le savoir. Je me revois fermer les yeux et les rouvrir, mais plus tard, après un laps de temps indéfinissable. Peut-être me suis-je simplement assoupi, sans presque m'en apercevoir, comme un contre-coup nerveux aux minutes plutôt archaïques que je venais de vivre et à la débauche d'énergie que j'avais déployée pour me tirer de cette histoire la tête encore sur les épaules et non point molle et pantelante. C'est possible. Tout est possible. À moins que mon cerveau n'ait libéré des flots d'endorphines ou je ne sais quelle substance qui font dormir son homme après l'amour. Après l'acte sexuel, je veux dire, ne confondons pas tout. Car cette fatigue, lourde et saturnienne, imitait drôlement celle qui me tombe dessus lorsque j'ai joui. Vraiment joui, ce qui n'est pas systématique, hélas, non. Et qui puis-je? Ce sommeil ne m'appartient pas. On croit penser à tout et on oublie la chimie. On oublie ce qui se passe au niveau de nos cellules. Toutes ces décisions qui se prennent dans le secret de nos fibres et qu'il nous faut ensuite payer comptant. Sauf que je n'ai nul souvenir d'avoir été transporté de bonne heure lorsque m'asphyxiait ma ceinture. Non plus d'avoir vu défiler ma vie. Mais c'est peut-être que j'étais trop occupé à la sauver à ce moment-là. En tous les cas, je ne me rappelle rien de tel. Je n'ai aucunement l'impression d'avoir vécu ce soir-là un moment érotique, ni de près ni de loin, non. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être dit d'une voix que j'aurais du mal à imiter, tellement elle était à la fois enjouée et oppressée. Waouh, bouillé! Tu l'as échappé belle. Et je sais avoir parlé à voix haute à ce moment-là, car le son de ma voix m'avait rassuré sur mon compte. Il m'avait confirmé que j'étais encore lucide et plein d'à-propos. Et si le dernier mot doit revenir à la chimie, je ne le connais pas. Qui disait que ceux qui jouissent, ils ont tout de même bien peu de caractère? On s'en fiche. Comme de savoir si Julien s'envoya en l'air en même temps qu'il montait au ciel pour le dire en aussi peu de mots que possible. Je n'en ai pas la moindre idée, et je m'en contrefiche comme de l'an 40, même si personne n'a jamais été fichu de me dire de quel an 40 il s'agit, mais puisqu'on s'en fiche, cela tombe bien. Quoi qu'il en soit, ma petite reconstitution du 27 novembre 2005 ne me permet pas de répondre dans un sens ou dans un autre sur les derniers émois de Julien. C'est un secret qu'il a emporté avec lui, si tant est qu'il soit allé quelque part après s'être pendu. Rien n'est moins sûr. Auquel cas, son secret doit encore se trouver sur place et quelqu'un devrait peut-être s'en préoccuper. Pas moi. Car depuis ce drôle de soir où j'ai dit et répété que j'étais dans un état bizarre, un état vraiment pathétique, les choses sont devenues très claires en ce qui me concerne. Du suicide de Julien, je me suis approché le plus près qu'il m'était possible de m'approcher et il m'a raconté tout ce qu'il m'importait de savoir sur la manière dont il avait pu se dérouler et, par-dessus tout, comment dire? J'ai gagné ce soir-là le droit de parler du suicide de Julien. J'ai gagné ce droit. Voilà. Je ne l'ai compris que plus tard, mais enrouler la ceinture de mon pantalon autour de mon cou et la serrer ensuite autant que je le pouvais et pas davantage a ouvert une brèche dans le suicide de Julien. Cela a rompu la glace. Cela a brisé un sortilège. Cela a intercédé en ma faveur, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire parfois pour trouver les mots qui nous manquent? Car on ne parle pas impunément de certaines choses. Non parce qu'elles seraient taboues, non, c'est juste que certaines choses nous laissent interdits, nous laissent sans voix. Certaines choses sont si opaques qu'elles ne laissent pas passer la lumière du langage, pas un mot. Elles se tiennent dans le silence, debout, immobiles, granitiques, braquant fixement leurs yeux de sulfure sur nous, et impossible de les déloger, impossible de leur faire cracher le morceau, et ainsi nous restent-elles indéfiniment en travers de la gorge. Et s'il me faut retenir une leçon du suicide de Julien, ne serait-ce qu'une seule, la dernière, promis, c'est que certaines choses nous intiment la parole bien plus qu'elles nous intiment le silence. Sauf que ces choses-là ont un prix. Ces choses-là ne se payent pas de mots. C'est nous qui devons payer un minimum de notre personne si nous voulons qu'elle desserre un minimum les lèvres. Il nous faut les prendre à notre compte.
Faute de quoi, tout ce que nous disons sonne faux, sonne creux, oscille entre platitude et cynisme, devient spectacle, reste emmuré. Combien de fois me suis-je dit, ce n'est pas le sujet qui fait un livre, c'est le livre qui fait le sujet. C'est le livre qui doit faire le sujet. Que les choses soient claires, je devais parler du suicide de Julien, d'une façon ou d'une autre, je le devais. Le mot « événement » ne convient pas, mais il s'agissait d'un événement dont je ne pouvais m'accommoder un jour de la semaine après l'autre depuis qu'il avait fait effraction dans mon existence un dimanche, aux alentours de midi. J'aurais pu m'en ficher et passer à autre chose, mais non, c'était culpabilité. Mais pas seulement. La vérité, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement du suicide de Julien. Il ne s'agissait même pas de Julien. Les choses ne sont jamais exactement ce qu'elles sont. Elles ont toujours des arrière-plans, et dans le cas de Julien, sans doute se suicida-t-il pour des raisons qui lui appartenaient, mais également pour d'autres, qu'il ne soupçonna à aucun moment de son vivant. Je ne plaisante pas. Je possède, de première main, des informations sur le suicide de Julien que je ne peux pas garder pour moi. Il doit savoir, même s'il est mort. Ce détail ne doit pas m'arrêter. Et quoi, un homme est mort. Et son fantôme erre peut-être tout proche, suppliant qu'on le libère. Ce n'est pas rien, la mort d'un homme. Dans quelle langue faut-il dire? Dans quelle langue raconter toute l'histoire? Aucune n'allait. Et des années durant, je suis resté silencieux, avec le suicide de Julien sur les bras, sur l'estomac, en travers de la gorge. Ne trouvant rien à dire du suicide de Julien, n'ayant rien vu du suicide de Julien, ne parvenant jamais à en parler, comme s'il était un plat trop brûlant pour que je m'en saisisse et le serve à table, que je m'y essaie, et le suicide de Julien poussait des hauts cris. Il hurlait à la fiction, à la trahison, à la littérature, il me traitait de salopard, il disait que c'était son suicide, et que je pouvais aller me faire voir à Nevers si ça me chantait. Il prétendait que je cherchais à tirer la couverture à moi, et par-dessus tout il disait que je me gargarisais des mots pour me débarrasser le plancher afin que tout continue, comme s'il ne s'était pas suicidé. Les mots sont comme des gommes, lestait-il. Les mots sont des gommes, s'énervait-il. Croyais-je m'en tirer en disant « Julien s'est suicidé comme trois petits mots et puis s'en vont. » Croyais-je avoir dit quelque chose? Quand bien même j'utiliserais le ton le plus solennel, avec plein de blanc dans la page ou des trémolos dans la voix, comme une supercherie de plus. « Bon Dieu, les mots me dénaturent !» me hurla-t-il un jour à la face, tout à fait hystérique. « C'est moi qui me suis suicidé, et toi, tu... Comment oses-tu » me postillonna-t-il un jour au visage. Car le suicide de Julien s'étouffait parfois de rage, il me postillonnait volontiers au visage, me hurlait très vite dessus, il était capable d'affreuses colères, et pour un suicide, il était sacrément vindicatif. Ce qui me rendait d'autant plus muet en sa présence, et telle était peut-être justement son intention, car il ne voulait pas que je parle de lui, pas comme ça, ni comme ceci. Parce que je n'étais pas digne de parler de lui, parce que les mots ne suffisent pas, parce que c'était de ma faute s'il s'était suicidé. Que voulait-il de moi à la fin? Comment parler de choses, des choses? Comment parler de tout ce qui se passe, de ce qui nous arrive et il faut ensuite trouver une issue? Comment parler tout court? D'où? Comment font les autres? Je croyais le savoir avant le suicide de Julien. Je n'avais aucun problème, aucun mérite non plus, tellement il me semblait que, plus qu'un corps, je n'avais que les mots. Ils étaient à la limite de mon monde et que je pouvais étendre une phrase après l'autre. Gratuits, ils étaient ma richesse. Propriété de tous, ils étaient donc la mienne. Ils étaient ma liberté, mon lien avec moi-même et les autres et l'univers tout entier. Ils étaient une chance pour chacun d'entre nous. Sans eux, nous grimperions encore aux arbres. Nous ne penserions rien. J'en avais bien conscience. J'avais foi dans le langage. Ainsi pouvais-je parler de tout et ne m'en privais pas. Deux livres en avaient témoigné. C'était avant le suicide de Julien. Le suicide de Julien a tout fichu par terre. Il m'a fait prendre conscience que le langage ne tombait pas du ciel. Oh non, il était une construction, un artifice, une convention, une médiation. Une médiation. Stupéfiante découverte, sauf que je l'ignorais jusqu'ici. C'est-à-dire que je le savais et m'en fichais royalement. Je n'en déduisais rien de particulier.
Lorsque je parlais de tomates, j'étais persuadé de parler de tomates. Lorsque la fille du journal télévisé parle de migrants, elle est persuadée de parler de migrants. Et on ne peut rien contre ça, c'est incurable. Disait je ne sais plus qui. Quel était son nom déjà? Peu importe. Ce qui compte, c'est que lui aussi semblait croire qu'il parlait de la fille du journal télévisé, et ainsi de suite. Hier, on m'a parlé d'un documentaire sur les gens qui ont été irradiés à Tchernobyl. On m'a dit à Tchernobyl. On m'a dit, ce documentaire était très émouvant, il était très beau. J'ai pensé, c'est ça qui ne va pas. Des gens se font irradier et à la fin, on dit que c'est un beau film. J'étais encore dans un drôle d'état hier. En même temps, impossible de passer le suicide de Julien sous silence. Le silence n'est pas une option. Oui, mais si le langage est le propre de l'homme, qu'il le prouve. Prouve-le toi-même, hé Boudu. Fais mieux si tu peux, me suis-je ri. J'étais vraiment dans un drôle d'état ce matin. C'est peu dire que le suicide de Julien m'a mis dans de sales draps. Que chacun tente de dire ce qui, ayant été vécu et éprouvé, le touche personnellement de près au cœur, et il verra bien. Il se prendra la pauvreté du langage dans les dents. Il comprendra sa fatuité. Il verra du sable sortir de sa bouche. Il entendra le ricanement des mots persiflés entre les lettres. Il percevra l'effroyable amertume de ce dont il essaie de parler. Je sais aujourd'hui que si je parle, c'est à partir de l'impossibilité du langage, et non à partir de la possibilité du langage. Je parle d'un manque de confiance devenu total et définitif dans les moyens que j'utilise. À l'instar d'un menuisier qui regarderait avec suspicion ses outils. On ne voudrait pas lui confier des travaux chez soi. Ce qui, pour quelqu'un qui n'a toujours que les mots, mais je fais semblant de peut-être d'écrire, est un problème, indéniablement. Je parle du fait que nous sommes sans langage. En plus d'être sans destin et sans qualité, nous sommes sans langage. Je parle du mot catachrèse, mot que j'ai appris après le suicide de Julien, et que la langue possède un mot pour dire qu'elle n'a pas de mot. Cela m'a drôlement fait réfléchir. Bien sûr, je pourrais m'en fiche. Faire comme s'il n'y avait aucun problème, que tout était cool, zen, relax, mais je ne le peux pas, je ne le veux pas. Pas sans avoir d'abord énoncé le problème. Ce n'était pas prévu, mais m'étrangler moi-même a desserré l'étreinte que le suicide de Julien avait passée autour de mon cou. Et ce n'est peut-être pas si paradoxal que ça. Il suffit parfois d'agir. Il suffit parfois d'agir. En tout cas, cela a dénoué le nœud, cela a libéré ma parole comme un torrent trop longtemps retenu. Une locomotive crachant de nouveau le feu, une marée noire, quand bien même cette parole ne serait pas concluante, serait hirsute et décousue, instable, vérolée et prenant l'eau de partout, pédalo-wah-wah amplifiant jusqu'à la distorsion la moindre résonance, et tellement démonstrative avec ça, tellement bavarde, tellement maniaque. Retournant chaque mot pour voir ce qu'il cache et tirant compulsivement à la ligne, comme haletant en permanence, comme asphyxié, comme si elle manquait tout le temps d'air et cherchait à chaque instant son oxygène ou bien sa route, je ne sais pas. Je ne peux plus parler maintenant. Je ne peux plus parler autrement. Terminer ce qui se conçoit bien. Terminer ce qui se conçoit bien et les mots pour le dire viennent aisément. Terminer l'illusion que l'auteur sait ce qu'il dit et qu'il domine son sujet. Du vent tout ça, du bluff. Si j'en fais trop, c'est parce que le suicide de Julien fut de trop dans ma vie. C'est aussi pour le noyer dans les flots, l'enterrer sous des monceaux de fleuves, de fleurs, qu'il n'en reste rien. Si je renonce à la concision et au bel art paresseux de l'ellipse, c'est pour ne rien omettre du suicide de Julien, ne rien laisser dans l'ombre. Entrer dans les détails où se cache le diable, faire toute la lumière, ne pas parler du suicide de Julien comme s'il s'agissait d'une tomate, sachant que le premier venu a tôt fait de prendre ses aises dans les non-dits et d'y déposer ses petites affaires, ni vues ni connues, avec ses mains pleines de doigts. Mais le suicide de Julien n'est pas une paire de moufles, il n'est pas un intérieur bourgeois, non plus un lieu d'aisance où faire ses besoins en douce. Je sais désormais l'impureté de ma langue. Tout ça parce que le suicide de Julien a fait entrer le langage dans mon champ de vision, et de découvrir qu'il faisait partie du tableau, qu'il faisait partie du problème au lieu d'être la solution, lui a ôté tout prestige et l'a fait tomber de son piédestal, boum, en plein dans la gadoue, splash.
J'en rigole aujourd'hui, mais comme un tricot se défait, ma foi, dans le langage, c'est totalement effiloché à la suite du suicide de Julien. L'illusion qu'il révélait, le réel à lui-même, s'est effondrée. Et je dirais même plus, le suicide de Julien a provoqué chez moi une grave crise du langage. Faut dire ce qui est, en italique, s'il vous plaît. Il a fait de moi un Christian sans Cyrano. Et Roxane se meurt. Car Roxane est tout ouïe, et la malheureuse en crève de tout ce qui se dit et de tout ce qu'elle entend. Je suis trop long. Je sais. J'aurais dû m'en tenir là, et il est trop tard maintenant. Désolé, mille excuses, je digresse affreusement et me suis mis à parler de moi, grave erreur. Je romps le pacte du récit, et n'ai-je pas honte? Mais c'est le plan, c'est le plan. Je suis trop long? Mais qui dit ça? Il a un train à prendre? Qu'il le prenne. Je ne le retiens pas. Je ne suis plus dans la course. C'est moi le train. Qu'on se le dise. Je suis loin d'en avoir fini avec le suicide de Julien. Très loin. Je vais le travailler à la flamme bien moyenâgeuse, si on voit ce que je veux dire. Et si on n'a pas vu Pulp Fiction, tant pis. Suis-je trop long? Je sais. Je me répète? Sans blague. Je tourne en rond? Quelle perspicacité. Comme disait l'autre, Hölderlin, à l'aube des temps industriels, à quoi bon des poètes en temps de détresse? Poser la question était déjà y répondre, et 2 siècles plus tard, Gerasim Luka se jetait dans la Seine, puisqu'il n'y a plus de place pour les poètes dans ce monde, écrivit-il dans une lettre d'adieu à sa compagne. 2 siècles plus tard, Ionesco répondait pour sa part: Tiens, il est 9 heures. J'étais au courant. On ne pouvait pas me la faire. Cela faisait un moment que le langage avait perdu son innocence. Nombreux étaient ceux à s'en être aperçus autrement plus qualifiés que moi. Je savais qu'il existait entre la langue et l'affectif une inadaptation fondamentale, une impossibilité irréductible. Ok, merci Kafka. C'était noté. Et les choses ne s'étaient pas améliorées, la crise perdurait. C'est-à-dire qu'elle n'était pas une crise, puisque, par définition, une crise décrit une situation à la fois paroxystique et temporaire. Putain de mots. Dans la bouche de la plupart, leur usage n'est que l'enthousiaste célébration de la rupture du langage avec la réalité. Il est une défaite. Mais quel rapport avec moi? Je m'en fichais à mon niveau individuel des choses qui en appellent facilement à la liberté d'expression. Cela restait intellectuel. Ne continuais-je pas de m'exprimer normalement? À croire aux mots qui sortaient de ma bouche? À parler de tomates comme s'il s'agissait de tomates? Où est le problème? Je marchais du côté ensoleillé du langage pépère, ne prenant surtout pas à mon compte ce que je savais. Mais qui prend à son compte ce qu'il sait? Il ne faut pas non plus trop nous en demander. Je trouvais d'ailleurs cette dépréciation du langage un tout petit peu exagérée, un truc pour mettre des bâtons dans les roues des pauvres gars dans mon genre. Je veux dire, les petits gars qui n'ont que les mots pour s'en sortir. C'était avant le suicide de Julien. Car le suicide de Julien, impossible d'en parler. Voici que j'étais malade à mon tour, frappé personnellement de plein fouet, incapable de saisir avec des mots ce qui avait eu lieu, confronté à mon minuscule niveau individuel au même problème et ne sachant comment le résoudre. Voici que cela m'arrivait à moi. Mes temps de détresse à moi. Je ne pouvais plus m'entendre parler sans avoir envie de me boucher les oreilles, sans avoir immédiatement la nausée. Je ne pouvais plus anticiper à aucune conversation tellement les mots qui s'échangeaient pompaient tout l'air de la pièce jusqu'à l'asphyxie pure et simple. Tout me semblait désormais incroyablement factice. Rapport à l'imagination, j'avais moins de problèmes. Les mots n'étaient l'enjeu que d'eux-mêmes. Pour le reste, ils puaient la mort. Jamais ne rendaient justice. Étaient risibles de bout en bout. Toujours, ils abattaient la mésange quand ils visaient la bouteille. Quoi d'autre? Ah si, j'en connais un qui, pour réussir à parler de la mort de sa mère et de tous les morts des camps de concentration, ne trouva rien de mieux que de faire disparaître la voyelle qui, en français, s'avère la plus essentielle de l'alphabet. Et il faut imaginer la folie de cette disparition, un mot après l'autre, une phrase après l'autre, pendant plus de 300 pages. L'imagine-t-on? Mesure-t-on l'effort? Perçoit-on la douleur contenue dans cet effort? Ce n'est pas seulement formel. Que l'on s'y essaye et on verra. Que l'on s'y essaye.
que je bave et zinzinule à n'en plus finir, et finalement un moindre mal, avant que quelqu'un ne me détrompe, et j'ai hâte de savoir qui, même s'il aura raison de son point de vue. J'en connais un autre qui, prenant la parole au Sénat, la garda le plus longtemps qu'il lui fut possible, jusqu'à l'extrême limite de ses forces, parlant debout à la tribune 24 heures durant, sans discontinuité, sans s'interrompre, sans reprendre son souffle, sans boire ni manger, parlant de n'importe quoi s'il le fallait afin de faire obstruction au mensonge. Faire obstruction au mensonge. Voilà l'idée. Si on ne connaît pas la vérité, au moins connaît-on le mensonge, et c'est un début. Je n'en vois pas de meilleur. C'est après avoir reconstitué dans ma chambre le suicide de Julien que j'ai écrit cette phrase. Il s'appelait Julien, je peux dire son nom, c'est le moins que je puisse faire. Et depuis lors, je n'ai plus cessé d'ajouter une phrase après l'autre. Les mots m'étaient revenus. Non plus comme avant, mais chargés du suicide de Julien, alourdi par sa masse, magnétisé par son spin, miné par sa rugosité. Oui, mais je savais soudain quoi dire. Si je ne pouvais pas parler du suicide de Julien, je pouvais au moins parler du simulacre auquel je m'étais livré. C'était mieux que rien. C'était beaucoup mieux que de le représenter. Entreprise qui m'apparaissait aussi insuffisante qu'infâme. Comme si je n'en savais quelque chose de ce qui s'était passé le 27 novembre 2005. Quand bien même plus personne ne se gêne aujourd'hui pour s'emparer de vies qui ne sont pas la sienne. Pour ma part, que l'on sente à quel point le suicide de Julien m'avait démoli, voilà qu'il évoquait indirectement, certes, mais au moins, n'en faisais-je pas ma chose. Qu'il est infusé dans ma langue, je ne pouvais que m'en réjouir, je m'en réjouis. C'est la preuve qu'il a eu lieu. C'est à ses traces qu'on sait qu'un animal est passé par là, c'est à ses effets que l'on mesure une cause. En face de mon bureau, il y a, scotché sur le mur, une feuille de papier sur laquelle j'ai écrit « Si tu dois raconter un échec, débrouille-toi pour que ton récit soit raté. Si tu es vaincu, ne parle pas la langue des vainqueurs. Si tu es en miettes, éparpille tes mots. Ne triche pas. Si tu dois décrire la couleur bleue, ne te contente pas d'écrire le mot bleu. Écris en bleu. Écris bleu. Trouve le moyen pour que ce soit le bleu qui écrive. Dans le lot, il y aura bien quelqu'un qui y comprendra. » De là que je parle du suicide de Julien à mon niveau détraqué, non. Crétin, non. Coupable, non. Individuel des choses. Et non à son niveau à lui. Encore moins à un niveau général des choses. C'est pour élucider ce qui s'est passé, dont le suicide de Julien fut à la fois l'aboutissement et le premier mot. C'est pour dire tout ce que j'ai à dire et éventuellement faire sentir l'écart entre ce qui n'aurait jamais dû se passer et qui est pourtant advenu. C'est aussi pour faire briller une petite bougie, à l'instar de celle en forme de vulve que peignit Picasso sur le petit tableau représentant son ami Casagemas dans son cercueil, et qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Julien n'était pas mon ami. Il n'était même pas mon ami. Je le connaissais à peine. Ce qui est encore plus idiot à la réflexion. Ce qui complique la situation. La rend très étrange. À l'image de nos existences saccagées, et quoi qu'il en soit, j'ai réalisé quelque chose ce soir-là. Et c'était tout bête. Que veux-tu savoir maintenant? Jusqu'où veux-tu que je m'enfonce? Tu as bien réfléchi? Aux conséquences aussi? Tu ne diras pas ensuite?